Ah, attendez, il manque quelqu'un là. Ouais, on a perdu un, la sauvageonne. Ah bah la sauvageonne, mais oui, personne ne la connaît vraiment, la sauvageonne. C'est une espèce de personnage qui est arrivé dans le fort, qui n'est pas doué de la parole. C'est... Là, elle est en train de montrer à Nadia, que... attendez, s'il vous plaît, qu'on peut gagner des boyards. En faisant des paris sur les boyards qui sont valables, on en a 9. Ouais. Là, lui montre un boyard qu'elle a autour du cou, il y a une face blanche, il faut surtout pas qu'elle retourne la face blanche. Si elle retourne la face blanche, elle a perdu. Et c'est ce qu'elle dit en ce moment avec son petit doigt, comme ça, son petit doigt de bois. Là, elle dit non, non. Et là, elle montre les 9 boyards. Ok, elle est un peu idiot, voilà. Je ne comprendrais pas du tout. Non, 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 je suis côté éducateur, tu vois, tu connais, mais voilà. Alors donc, elle va choisir un boyard. Elle choisit celui-ci, par exemple. La sauvageonne retourne délicatement, car le boyard est fragile. Et c'est bon, elle gagne déjà 2 boyards. Maintenant, va-t-elle aller plus loin, Nadia? Elle peut en gagner 4, oui. D'après vous, elle va aller plus loin. Elle continue. Et là... Elle gagne aussi. Oui, on gagne aussi. Comment tu le savais? T'as déjà vu l'émission, toi? Il a déjà vu l'émission avant, lui, il est bizarre. Bon, maintenant, elle a donc 4 boyards. Va-t-elle en avoir 8? Elle continue. Et là, la sauvageonne retourne et oui, voyez, ça veut dire qu'il y a 16 boyards. Et ça commence. Mais là, lui tend la bourse, va-t-elle la prendre ou pas la prendre? À votre avis, qu'est-ce que vous feriez? Non, j'ai l'impression qu'elle elle continue. Elle continue. Et donc, vous voyez qu'il reste 6 boyards. Elle prend le dernier. Oui, oui, non, oui. C'est bon. 22 boyards, c'est ça, hein? Un dernier. Ah, elle regarde celui-là, c'est... perdu. C'est excellent. 64 boyards. Et maintenant, là, elle s'arrête. Moi, je crois qu'elle a eu tort. On s'arrête. Allez, je la retourne. Franchement, je ne vous croyais plus. Tiens, Olivier, que deux, tu verras. Oui, bien sûr. Voilà, la sauvageonne, donc c'est un personnage que vous, de temps en temps, vous faites gaffe. Regardez à droite, à gauche, parce qu'elle jaillit comme ça, non pas les hommes. Faites attention, en plus. Non, c'est pas désagréable de se faire jaillir, de se faire attraper par la sauvageonne. Bravo.